Les diarrhées néonatales. Quand un veau de moins de 15 jours a de la diarrhée, on parle de diarrhée néonatale. Ces diarrhées peuvent être d'origine alimentaire, donc des erreurs alimentaires, ou peuvent être d'origine infectieuse. On parle alors de germes. Les quatre principaux germes qu'on retrouve chez les veaux de cet âge-là sont des bactéries, comme Escherichia coli, mais également des virus, le rotavirus, le coronavirus, et enfin Cryptosporidium parvum, qui est un parasite. On peut également, dans certains cas, trouver d'autres germes, comme des salmonella ou des clostridies, mais avec les quatre premiers que j'ai cités, vous avez les principales causes de diarrhée néonatale. Le plus fréquent, le plus important, reste Cryptosporidium parvum. On parle donc ici bien d'un parasite qui va se gérer avec des antiparasitaires et pas des antibiotiques. Derrière, vous avez aussi des virus, comme le rotavirus et le coronavirus. Et comme on parle de virus, là aussi, il n'y a pas besoin d'antibiotiques pour les traiter. Ce qui veut dire que dans de très nombreuses situations, l'usage des antibiotiques n'est pas nécessaire dans la gestion des diarrhées néonatales, ce qui a toute son importance dans le contexte de diminution de l'usage des antibiotiques actuels.